Throughout the week, the prophet was the main speaker at Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua Mashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Ledeya. The services followed the usual pattern of praise, announcement, and preaching. The fourth seal reveals the rider on a pale-colored horse. He is a blend of the three previous colors. We can see it in Revelation 6:7. This is the season of death, for the church rejected the word when it had the opportunity to repent. But the blood of Jesus is still operational for the Christian who want to repent. It acts like bleach to disintegrate all confessed sin. Let's notice that the all night of last Friday at Yahshua Mashiach Tabernacle, God's children stayed up in prayer and worship in addition to the word of God. Testimonies of healing and deliverance were given to edify the creative word ministry and for the glory of God. An extract of the sermon Restitute of Reverend Baoye Samuel brought great joy in the Christians, and we were certainly blessed this week. Les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle et Dedeya et au Yahshua Hamashiach Tabernacle commencent la semaine dans une très grande expectative, car personne ne veut manquer une seule pépite de texte lu. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Quels sont les mystères cachés derrière ces versets bibliques? Alors, dévoile le Saint-Esprit. Paragraphe 150 à 156. Satan va se faire chair et dans la quatrième étape de son ministère, il prend le nom de la bête. Paragraphe 158. Le mystère caché derrière la couleur pâle. Paragraphe 159. Les grandes lignes du ministère de l'Antichrist dévoilées. Paragraphe 160 à 170. L'Antichrist monte sur un cheval de couleur mélangée, paragraphe 195 à 209. Mais au milieu de cette dernière chevauchée de l'Antichrist, Dieu a ses prédestinés, paragraphe 284 à 285. Pendant que Satan rassemble son épouse des quatre coins de la terre, paragraphe 310, Christ rassemble les siens des quatre coins du ciel, paragraphe 312. C'est dans une très grande expectative de l'ouverture du cinquième sceau que nous clôturons la semaine. C'est désormais officiel, Samuel quittera son père et sa mère et s'attachera à Benita. Les deux formeront une seule chair. L'amour qui a tant brillé dans leur cœur a été scellé devant Dieu et devant les hommes, ce samedi 26 août 2023 au Love Divine Sanctuary. Nous sommes aux environs de 15h, l'heure à laquelle l'orateur du jour, le pasteur Esokoum Simplice, va donc accueillir les mariés. D'entrée de jeu, il va une fois de plus rappeler les quatre étapes du mariage, selon l'enseignement du pasteur Baoye Samuel, tout en félicitant les mariés de les avoir bravés. Il touchera un point essentiel, celui de la marche par la révélation, dans le cas du mariage, car il est important de faire un choix selon Dieu. Quelque temps après, il apportera une exhortation en s'appuyant dans le livre de Psaume, chapitre 128, versets 1 à 6, et en choisissant pour thème « Mes bien-aimés, vous avez valorisé les Écritures ». Dans ses propos, il dira qu'il est important de valoriser les enseignements que nous donne la Bible, car c'est de là que viendra notre bénédiction. C'est pareil dans le cadre du mariage. Le couple se doit de se valoriser mutuellement. Il y a aujourd'hui, dans ce monde, des familles où on ne se marie pas. C'est ce que les aïeux ont fait, les alliances, qui détruisent les générations en génération. Mais vous, vous avez dit, comme Dieu a parlé, nous allons valoriser le Seigneur. L'auditoire sortira donc de cette réunion rempli de joie, car on ne parlera plus de Samuel et Benita, mais du couple d'Ibamba. Pour le reportage, je suis Jérémy Ondigui pour Parole Créatrice Info Télévision. Vive les mariés! Plongé dans l'ambiance des vacances, beaucoup d'enfants se lancent dans la détente, d'autres dans des activités commerciales, d'autres encore se déplacent carrément vers les zones rurales. Ici, ils font dans les travaux champêtres,
les récoltes, la cueillette, le commerce, bref, ils sont assez loin de leur manuel scolaire. Par ailleurs, pour ceux ayant présenté des examens officiels, c'est une période assez stressante, car en attente des résultats. Ainsi, la période des vacances relativement longue ou courte, selon la situation de l'élève, ne durera que quelques semaines. Place est donc à la rentrée scolaire, prévue pour le lundi 4 septembre prochain. Il s'agit désormais de renouer avec les bonnes habitudes, gage de réussite. Dès lors, il faudra se réveiller tôt, être à l'école dès le premier jour, être ponctuel et assidu, rester discipliné et respectueux, étudier ses leçons au jour le jour, honorer ses parents, garder sa vie de prière et j'en passe. Pour tout dire, le train de la rentrée scolaire 2023-2024 démarre dès lundi prochain. À chaque élève donc d'y prendre sa place et de s'installer confortablement. À chacun de remplir sa part de contrat, afin que le voyage soit agréable, intéressant et surtout fructueux. Bon voyage à tous. Shalom.